Frammenti di storia oggi ci porta al Salone d'autunno del 2019. Avremo cinesi, afghani, italiani, francesi, portoghesi, giapponesi. Tutto quello che l'arte moderna ci propone oggigiorno. Andiamo insieme a visitare questi capannoni che non finiscono mai. Non so quante opere sono esposte, ma andiamo insieme e soprattutto ammirate le fotografie. Nel surrealismo fotografico scopriamo la sensibilità di Michael Kirch, un compositore di immagini filosofiche, fotografie che non lasciano indifferenti, impresse e esplorano la solitudine su un bianco e nero luminoso. Sui Campi Elisi, oggi festeggiamo il famoso Salon d'Automne, un avvenimento unico e fra i primi a dirci cosa sarà l'arte di domani. Tutte le arti sono presenti, le tendenze, le influenze, le mode, gli schiaffi alla violenza e ingiustizia. La vera attualità artistica avviene per qualche giorno a Parigi, una respirazione artistica. Dunque venite con me in questo viaggio interminabile. Il Salone d'Autunno è un'esplosione di colori, è un insieme di opere stravaganti, ma anche concepite nel concetto della natura, nel concetto del bio, del rispetto della natura. Andiamo insieme a scoprire e a chiacchierare con la nostra commissaria. Cette année, la section dessin au sein du Salon d'Automne est constituée d'une quarantaine d'œuvres. Dessins uniquement. Les artistes sont issus principalement donc d'Europe, mais aussi d'Orient. En Asie, nous avons notamment des artistes chinois et japonais. Et ce qui se dégage, je dirais, cette année dans la section, c'est une thématique autour de la nature. La nature est très présente par des sujets, des thèmes de montagne, de forêt, d'animaux, et elle est traitée d'une manière différente par les artistes d'Europe et les artistes d'Orient. Et je vois des passerelles entre Orient et Occident cette année, beaucoup, notamment avec une artiste qui s'appelle Bourgoun, c'est son surnom, son nom d'artiste, et qui utilise des papiers chinois pour présenter ses œuvres abstraites. Ou par exemple, Kabazawa, qui est un artiste qui vient chaque année dans la section depuis de nombreuses années et qui présente des œuvres abstraites
Et c'est toujours étonnant de voir des artistes japonais travailler une abstraction qui est le propre de l'art occidental, d'avoir apporté l'abstraction dans les arts. Et il y a un artiste aussi qui se dénote cette année, c'est Gao Li, qui est un dessinateur chinois, qui ne sera pas présent là parce qu'il vient de Chine. Il a commencé à dessiner en regardant les cheveux et les mouvements des cheveux. Il a été fasciné par ces mouvements et il reprend dans une forme d'abstraction des sujets de nature traités en mouvement très fin et qui donne une vision cosmique, je dirais, de la nature, presque une dimension chamanique qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de la section, comme si la nature était au centre des préoccupations des artistes qui aime le dessin, qui est un art dans lequel on doit aller à l'essentiel. On ne peut pas faire d'effet avec le dessin. Il y a une nécessité d'essentiel qui, en tout cas cette année et l'année dernière aussi, cette année 2020, tourne autour de la nature. Il Salone d'Autunno 2019 propone anche questo catalogo. In questo catalogo abbiamo 115 affiche. Queste 115 affiche raffigurano i 115 anni del Salone d'Autunno. Tanti personaggi, tanti artisti hanno figurato qui, da Picasso a Matisse e tantissimi altri. Questo avvenimento esiste dal 1903. Qui sono racchiusi tutti i movimenti artistici e attraverso gli artisti maggiori del XX, XXI secolo. Incredibile, ma vero. In questo lungo corridoio divertiamoci e gettiamo uno sguardo anche fuggitivo a queste innumerevoli opere. Sezione disegno attorno al Salone d'Autunno, il dialogo profondo tra l'essere umano e la natura. Oggi come non mai c'è il bisogno di un ricongiungimento per una terra migliore prima che sia troppo tardi.
Come dicevo prima, la Cina e il Giappone sono ospiti d'onore, ma non dimentichiamo gli artisti che sono partiti, che ci hanno lasciato, ma le opere sono qui. Claudia Lundun Bengler, c'est elle qui est une artiste française et qui travaille vraiment à la manière des encres. Mais jamais en Chine vous verriez ça. Vous verriez un travail comme celui-là. Elle est devenue vraiment experte dans le travail de la Chine. Ça, ouais, vraiment une grande maîtrise. Et dans ce travail, on trouve des grands espaces très, très étonnants. Il y a une notion d'espace, d'immensité. Siméon Collin, et lui, il est ancien prof des arts déco. C'est un grand amoureux de la nature aussi. Il travaille sur les cèdres, sur les arbres. Kabazawa, c'est l'artiste japonais qui, lui, fait de l'abstraction. Très puissante. Lui, il est sociétaire aussi du Salon d'automne et c'est un artiste confirmé au Japon. Chaque année, il nous apporte une toile. Puissant aussi, ça. Ça, c'est Gaoli. Et quand j'ai dit que c'est chamanique, c'est plutôt ça, en fait. Pour traduire les esprits de la nature. Thank you.
Bakarsan bulup penceremden dünyam kapkaranlık neden bilsen aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni bana ne şu Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsa Sevmeyince hayat bomboş dedim Yaşamayı bana sen öğrettin Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Aç kapıyı La visita è finita, io vi lascio perché devo andarmi a preparare per il prossimo salone d'autunno. Ciao, a presto!